Bonjour, salut. Donc j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, je vais voler avec cette frame. En fait c'est le Flex One, mais celui-là c'est le bleu et avec le format mini. Je sais pas si vous voyez très bien la caméra. Attendez, regardez, la caméra c'est pas une micro, c'est une mini. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai réussi à mettre un support filtre ND, on va voir, qui est meilleur que la dernière fois, la vidéo là où c'était joli mais il y avait les contours bleus. Mais là on verra peut-être tout petit peu les contours bleus, mais vraiment pas beaucoup par rapport à la dernière fois. Donc on verra. S'il faut, cette vidéo va se terminer maintenant parce que le quad vole pas. J'ai fait des tests de moteur, c'est le bon sens. J'ai remappé bien, tout comme il fallait. Donc c'est parti les gars. Let's go en l'air. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out. J'ai fait deux batteries avec, qu'est-ce que je peux dire? Déjà on va commencer par les moteurs, la patate. Moi je mets les mêmes hélices sur mon Adquad aussi, sur l'F60, et je trouve que ces moteurs ils ont plus de pêche. En tout cas
parce qu'ils sont neufs déjà. Premièrement, ils sont neufs. Deuxièmement, le quad est plus léger que l'autre. Voilà, avec ESC 4 en 1, on gagne du poids quand même. Et même avec la mini, le quad il est un peu plus léger, de pas beaucoup hein, je crois, mais il est quand même plus léger, peut-être de 20 grammes. Voilà, je tenais à le préciser. Mais c'est vrai que ces moteurs ils sont vraiment vraiment bons. Après, niveau temps de vol, je dirais pareil ou un peu moins, je sais pas, que mes F63. Peut-être un peu moins parce que je tape un peu plus dedans, je sais que ça répond bien. Là, sur les retombées, c'est impressionnant. Comme je mets un petit coup de gaz et pouf, ça repart direct, c'est impressionnant. Donc vraiment des moteurs très très puissants. Là, j'ai le vol, il a duré 3 minutes. Donc c'est pas dégueu pour un vol freestyle. Après, ok, j'ai pas fait du full gas tout le temps. Mais voilà, j'ai quand même fait des figures. Donc 3 minutes, c'est pas mauvais du tout. C'est plutôt bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Là, je me régale. C'est top, topissime. J'ai regardé la vidéo GoPro, ce que ça donne un peu. On voit des petits côtés là. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Faudra que j'arrange ça. Et c'est vraiment pas facile. Je crois avoir une idée pour arranger ça, mais je pourrais pas le faire sur cette vidéo. Faudra attendre plusieurs vidéos. Allez, bon. Enfin, plusieurs vidéos, en tout cas, quelques jours. C'est parti. Hein. Là, le soleil se couche. En fait, hier, je vais vous raconter une histoire. Je vais en rapprocher un peu. Je vais raconter la petite histoire que j'ai eue, pas avec ce quad, mais avec l'autre. Hier, je suis venu sur ce spot. Je me suis dit, je vais choper un coucher de soleil. Je vais essayer de l'avoir tout à l'heure. Je vais essayer de choper un coucher de soleil. Je vais aller sur la petite colline là et pour essayer d'aller de l'autre côté. J'ai pas réussi, j'ai pas trouvé de chemin. Je me suis griffé partout, comme vous voyez, des griffures. Bref, c'était un peu la galère avec mon gros sac. Et en plus, à la fin, il faisait nuit et mon quad il s'est mis en haut d'un arbre. J'ai dû grimper, jeter des cailloux et grimper au-delà, en haut de l'arbre. Et après essayer de sortir de ce bosquet parce qu'il y a plein de chemins et ça finissait tous par des ronces. Il faisait nuit, c'était un peu la galère. Mais bon, je suis sauvé, j'ai bien dormi et je suis revenu pour prendre ma revanche. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai pris des vidéos, superbes vidéos du coucher de soleil, mais dans mon DVR parce que dans la GoPro, j'avais fait de mauvais réglages, j'avais essayé de changer des trucs. Et bref, l'image cramait, c'était dégueulasse, il y avait du bruit de partout. Et bon, à la poubelle quoi, les vidéos. Bref, je suis revenu et on va essayer de choper ça là aujourd'hui. Took to not need me anymore. Life moves by, but I'm still holding on. No, it gets better when you look at the time, but it's something I hold for the rest of my life. And just another regret, just another upset. After such a heartbreak, you're just another mistake. Still, I think about all that we've done. Can you take me back to when we were young? Trying to replace you. My friends tell me that I've got nothing to lose. I pray that I can win this game for two. That's when I know that I will get over you. Oh, oh yeah, it's hard. Ouais, super, j'ai des super sensations avec ce quad, j'ai fait aucun réglage en plus. Donc je sens que ça va être un bon quad en plus quand il sera réglé. Le seul petit problème que j'ai vu, c'est parce que je pense que ça vibrait. J'avais l'image des verres, enfin l'image de la caméra FPV qui vibrait un peu. Et c'est parce qu'en fait j'ai vu que j'avais une hélice un peu pliée. Je sais pas si ça s'est vu à la caméra, à la GoPro, j'espère pas. Je sais pas, on verra.
Mais en tout cas, ouais, j'avais des petites vibrations et je pense que c'est dû à l'hélice qui était un peu pliée, dû au premier crash, parce que ça me l'a pas fait en fait sur le tout premier vol. Voilà. Je vais souffler. En fait, le truc c'est que j'essaie de monter un peu plus pour essayer de choper le coucher de soleil derrière la butte, derrière la colline ou le plateau, je sais pas trop comment c'est. Hier j'ai vu, c'était une étendue d'arbres infinie et je voyais le soleil au bout, donc on va voir ce que ça donne. J'essaie de pas me perdre parce que c'est par ici que je me suis perdu hier. Donc voilà, allez, avec des chemins partout, mais c'est vraiment vraiment super beau. I've broken all my rules that I made for you. I made some boundaries that I cannot respect. Je suis fatigué parce que là ça va faire 20 minutes, une demi-heure que je marche. Et là je viens de trottiner un peu pour aller vite parce que le soleil part. Regardez. Faut que j'aille là-bas le plus vite possible, sinon vous n'aurez pas d'image. Ah, je peux le voir encore le soleil. Mais bon, je vais continuer. Do you remember when we used to run away through the night? There is a story about us two. Bon, le quad il est pas tombé hyper fort, en fait il tombait sur le plat, mais là je suis arrivé, ça sentait le cramer un peu. Et en fait il y a une réaction bizarre là-bas, comme si un ESC qui a lâché. Donc j'espère que c'est pas l'ESC, parce que en fait c'est le premier vol quoi avec cet ESC. Quoi ce bruit? Non. En gros, bref, je vous montre. Là ça sent le chaud quoi. Et ici c'est un peu comme si s'il y avait de la cendre. C'est bizarre, j'espère que tout fonctionne. Je vais tester juste là après. Et bah, je crois que j'en ai. Ah, purée, j'ai explosé un pad. Un pad qui s'est arraché. Je sais pas si on voit très bien. Bon, bref, c'est pas très important. Ouais, le C, bah, je vais voir s'il fonctionne. En tout cas, là, je pense que c'est les moteurs, mais j'ai l'impression que le quad il est tout léger. En tout cas, j'ai pas cette. Parce qu'avec l'autre quad, je sais pas, je pense que c'est les moteurs qui sont un peu fatigués. Et il est un peu plus lourd. Mais j'ai l'impression que quand je descends fort, il faut prévoir avant de retomber quoi. Faut remettre les gaz vraiment fort. Et là, un petit coup de gaz et ça repart. Impressionnant. Je suis vraiment vraiment content de ces moteurs au niveau de la performance. Après, bah, j'ai pas encore vraiment trop craché. Donc je peux pas vous dire niveau solidité. Solidité, voilà.
Ah oh, purée, je suis dégoûté. Oh bah c'est, ça pouvait être prévisible parce que pff, là c'est le premier vol que je fais avec, enfin la première session que je fais avec les USC. En fait tout est neuf quasiment à part la UPF7 et ah oui le XM Plus et la caméra FPV. Et en fait là c'est des moteurs qui consomment, comme je vous l'ai dit en fait dans la vidéo, des moteurs qui consomment. Là c'est un ESC bas de gamme on va dire, qui prend des pics à 40 ampères je crois, et c'est pas censé enchaîner les sessions comme ça. Et là en fait j'ai fait 3-4 batteries un peu d'affilée, j'ai pas poussé trop fort hein, faut le dire, j'ai pas poussé vraiment fort, mais j'ai quand même fait 3-4 batteries d'affilée sans laisser le temps, purée les chasseurs, sans le reposer les ESC, et ça a été fatal. Ça a été fatal parce qu'une machine un peu lourde freestyle, avec des moteurs qui consomment et un ESC un peu cheap, même s'il a des bons retours et tout, bah là ça a cramé. Voilà, je suis dégoûté. Dégoûté comme ça. Vous savez que si vous le prenez, il faut faire attention déjà. Si vous le prenez, mettez peut-être des moteurs qui tirent un peu moins, ou sachez que, ouais, je pense, prenez des moteurs qui tirent moins forcément avec cette ESC. Donc là, c'est bien, au moins vous avez un retour. Et je peux vous dire, parce que je peux pas souvent vous faire des retours comme ça d'expérience plutôt mauvais, parce que généralement je casse pas beaucoup de matos. Et ben là voilà, c'est comme ça. Je pense pas que j'ai pas de chance, je pense que c'est normal. C'est comme ça, j'ai tiré un peu trop dessus. Et bon, ben en plus, en fait, à mon avis, parce que en fait ils allaient bien, c'est que quand j'ai tapé fort le sol, je pense que les ESC ils étaient un peu. Genre il chauffait et genre l'étain il a limite fondu et bam avec le choc ça fait tout péter et ça fondu l'étain ailleurs, enfin s'il faut je dis de la merde, mais je pense que c'est ça. De toute façon je vais le démonter, je vais voir, on ira voir tous ensemble. Et bon, un peu dégoûté à ce niveau là, il faudra que je regarde si je peux mettre un autre OSC. Ouais, il faut que je commande un autre OSC, mais un qui est censé tenir plus, on verra. Donc là au moins je teste, je suis votre testeur les gars. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas toujours à liker comme d'habitude. Et là je vais rentrer, il va faire nuit avec mon petit téléphone en lampe torche comme hier. Mais bon, là ça va être cool. Allez, ciao les gars.